Nous avons la chance de rencontrer Thierry David, le rédacteur en chef du MAG sur Canal Golf Plus, et nous allons l'interviewer. Bonjour Thierry, oui. Thierry David, le rédacteur en chef du MAG bien connu en France sur Golf Plus. Peux-tu nous expliquer les nouvelles possibilités que vous allez nous présenter en 2023, les nouveautés sur le golf en particulier, émission suivie par des millions de spectateurs et 100% du monde du golf. Au moins. Bonjour Jacques, bonjour à tous les abonnés du site dumondedugolf.fr. Bah, je suis content d'être avec vous pour parler golf, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on devient? Bah, écoutez, bonne question, vaste question. Déjà, la base, c'est, vous le savez peut-être, ma phrase que j'aime tant à répéter, c'est « le golf ne s'arrête jamais ». Effectivement, le golf ne s'arrête jamais, mais on entre vraiment dans le vif du sujet actuellement. On est fin février, c'est le début de la grosse saison nous concernant, puisque dans quelques jours, on va partir au Players Championship aux États-Unis, à Pontevedra Beach en Floride, pour le cinquième majeur de la saison. Et puis après, on va enchaîner environ toutes les 3-4 semaines, un majeur jusque fin juillet. On aura effectivement donc le Players, le Masters, l'USPGA, l'US Open, puis ensuite on aura The Open, et puis juste derrière The Open, nous aurons également The Evian Championship, qui est le seul majeur qui se déroule en Europe continentale et particulièrement en France à Evian. Donc gros programme, on aura un petit break en août pour prendre un petit peu de repos, et puis en septembre, vous savez que le programme est également chargé puisque cette année est une année de Ryder Cup. Une Ryder Cup qui va se dérouler en Italie, à Rome, et qu'on va retransmettre évidemment en long, en large, en travers, pour ne rien manquer, pour que vous ne manquiez rien de ce qui va se passer dans cette Ryder Cup qui s'annonce déjà très excitante. Donc beaucoup de travail en perspective. On est en train de finir de se préparer pour cette grosse saison avec toute l'équipe, qui est l'équipe de Golf Plus, qui est entièrement dédiée donc à toutes ces tâches pour une année 2023 qui est très chargée. Une question qui fâche un petit peu, quel est votre avis, Thierry, sur le live ou la live? Quel est mon avis sur le live? Alors, c'est une exhibition. Sans que ce soit péjoratif, j'aime à dire que le live est au golf ce que Holiday on Ice est au patinage artistique. Donc c'est une exhibition, ça vaut ce que ça vaut, c'est défendable, mais c'est pas du sport. En tout cas, c'est pour moi, ça ne mérite pas, en tout cas dans son format actuel, par exemple, d'octroyer des points mondiaux. Quand on joue sur 3 tours, qu'il n'y a pas de cut et qu'on est sur un champ réduit et sélectionné, je vois pas pourquoi on donnerait des points mondiaux. Ma position vis-à-vis de cela... J'irai ni pour ni contre. Je veux dire, ils ont choisi de monter ce circuit très bien. Pour l'instant, on a choisi de ne pas le diffuser. Ça ne veut pas dire qu'on ne le diffusera jamais. Maintenant, c'est pour moi éloigné du golf traditionnel comme on aime le voir. Est-ce que vous espérez que bientôt un Français va gagner un Master? Et quel Français peut gagner un Master? Évidemment qu'on espère qu'un Français peut gagner un majeur, parce qu'on vit aussi pour ça, hein, même si on se doit finalement d'en donner pour tout le monde et d'être au possible assez impartial, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est vrai que quand on a un Français qui gagne, on aime bien s'enflammer. On a envie de voir une victoire française en majeur, évidemment. Pour qu'il y ait une victoire française en majeur, il faudrait déjà qu'on ait des Français qui participent au majeur, et pour l'instant c'est malheureusement pas trop le cas. Le seul qui au moment où l'on parle est qualifié pour The Open, l'USPGA et vraisemblablement l'US Open, c'est Victor Pérez, qui a déjà participé ces dernières années. Il n'a pas été en mesure de briller jusqu'ici. Je me souviens quand même que, même si c'est pas un majeur, il avait terminé 9e du Players l'année dernière, donc ça veut dire que quelque part, il n'est pas si loin que ça des meilleurs mondiaux. Je pense qu'il a sa place en continuant de travailler comme il le fait. Donc, c'est pour l'instant, mathématiquement, notre meilleure chance de briller en majeur. Thierry, merci beaucoup de ce moment intime avec le monde du golf. Et on va se retrouver très rapidement sur votre chaîne, qui est une chaîne formidablement bien gérée avec
des intervenants qui sont extrêmement positifs et performants. Merci pour tout, Thierry. À bientôt. Merci, Jacques.